Allez, salut tout le monde, c'est LightPixel, aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de notre Let's Play en Face Commentary sur South Park, le bâton de la vérité ou The Stick of Truth en anglais. Donc au dernier épisode on s'était arrêté après avoir tué des aliens qui m'emmerdent, enfin on les a tués, non, on en a tué quelques-uns. Il y avait un policier là, on l'a tué. Alors maintenant on a acquis une nouvelle attaque qui est eh bien la sonde anale, comme vous voyez là. Et donc avec cette sonde anale on pouvait faire ça, c'est-à-dire remettre ça et après se téléporter vers notre truc. Donc on voit Randy. Randy il était prisonnier, donc on va essayer de le libérer. Donc on a fait tout un tas de choses très spéciales. On a désactivé et activé des trucs. Alors j'ai failé plusieurs fois dans le dernier épisode, mais enfin on va essayer de pas trop se failer pour éviter les petites coupures que vous aurez dû voir. Alors oui, ils ont des choses très spéciales, très robotiques, j'ai envie de vous dire, très spatiales. Donc lui, on n'a pas encore activé le bouton, on va tout de suite activer. Et ça me fait toujours rigoler, c'est un truc de fou. Alors je croyais que c'était pas bon, mais en fait bon, si c'était bon. Alors au dernier épisode j'ai pas pu tuer les monstres en bas, mais puisque j'étais assez nul, on va essayer de les battre. Donc apparemment il faut les attaquer avec notre nouvelle attaque qu'on va faire tout de suite. Alors son anal, hop, voilà, fous toi là. Ok, donc on va quand même arriver là. Une dernière console, tu peux essayer un seul du pont, l'un qui travaille, coriace. Et alors ce prénom, il n'oublie pas. Ok, merde, bon, ça c'est le fail du live direct, pardon. Alors là, voilà, j'ai comme par hasard tué le petit bout de câble électrique avant, donc c'est pas bien grave. On va essayer de les tuer. Boom, voilà. Moumou. Alors Moumou. On va essayer un autre truc. Oh, le chat il arrête pas de miauler, ça m'énerve. C'est pas vrai. Punaise. Bon, c'est pas grave. Il va m'énerver, bon, enfin bon. Alors voilà, maintenir. Voilà. Ah, trop tard. Oh, punaise. C'est pas vrai, le chat il a pas de miauler, oh là là. Il y a toujours un chat pour me faire chier. Et il me déconcentre en plus. Il me déconcentre. Ah mais il m'énerve, bon. J'ai fait une petite coupure, oui, en plein jeu. Enfin bon. Allez, coupe. Re les amis, donc je reprends la manette. Et on va se réessayer à ça, donc begin faiblesse. Mana insuffisant. Ouais, ça fait un peu mal. Bon, il m'a tué. C'était le premier fail, plus la coupure du chat qui miaule, qui est pas très cool. Bon, enfin bref, on va recontinuer. Ok, bon, je suis presque en train de les tuer, donc ça va être assez short, mais je vais trouver un moyen. Déjà, le chef il va crever dans pas longtemps. Oh l'enfoiré. Ouais, on prend vite la grande. Potion de santé grande, vas-y. Je vais péter tout ça. Sur ça, tiens. Bim. C'est lui qui me fait le plus mal, donc alors je pense que là, comme on est à peu près bon, on va faire une petite potion. Potion de puissance. Hop. Et là, on va lui faire une petite aptitude qui va être agresse. Ouais, on va faire ça. Coup dans le dos. Ça fait bien mal, coup dans le dos. Bouh. Bim. Bouh. Ok, coup spatial, c'est pas grave. Putain, il s'est régénéré, le con. Ah là là.
Comment on va faire? Coup dans l'eau, tiens. Mou. Bim. Mou. Ah, il est en forêt. Mou, 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 mou. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ah merde, non, c'est pas ça. Potion de santé. Grande potion, pardon. Potion de santé grande, s'il te plaît. Alors comment je vais faire? Je ne sais pas. Je pourrais que esquiver, tiens. Prends ça. Je peux pas esquiver mes flèches, je crois. Ouais. On prend une petite potion au cas où. Hop. Et là, normalement, ça devrait être bon. Hein. Normalement, faut pas déconner, quoi. Voilà, c'est bon. Sa mère, c'était hyper chaud. Ok, on a gagné des XP, des gants, tout ça. Enfin terminé. Bon, j'ai dû vous épargner des petites ellipses, enfin les petites trucs. Alors voilà, c'est bon. Normalement, on redescend. Et la marche, la légende, reviens et on pourra sortir d'ici. Ouais. On va vite sortir d'ici. Il est content. Moi aussi, je suis content, parce que j'en ai eu marre, là. Alors, viens avec moi. Attends, ah ouais, on va aller à l'autre truc. Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Ok, attends. Juste un truc. Je reviens. Je vais juste prendre un truc. Juste prends ça, s'il te plaît. Cristal de puissance. Ah merde. Ouais. Donc s'il faut une cristal de puissance, je sens qu'on va faire encore un truc assez spécial. Bref. Allez, je vais t'aider. Ah merde. Et voilà, vous le voyez vraiment en image, ça fait vraiment bien mal. Bref. Ok. Wow, yes, c'était assez chaud. J'ai réussi. Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me comme ton ami. Until we meet again. À la prochaine, bye. Non, je rigole. Oh, c'est pas en fin de vie. Alors, ok, cristal de puissance. Ah, mais on pourra se casser. Mais avant ça, on va descendre. Parce qu'on pourra aller au truc, mais je pense qu'on peut se casser comment? Comme ça là. Message. Ah bah t'es qui toi mec? Bonjour. Oh. Ah c'était toi espèce d'enfoiré. Attends, j'essaie de te tuer. Le clochard. La conspiration alien. On va essayer de te tuer, tiens, pour voir. Ah, ça te fait bien mal. Aïe, l'enfoiré. T'es un petit méchant, toi, hein. Ouh là là. On va te niquer, tiens. Alors je sais pas à combien de minutes on doit être à 25, enfin, je ne sais pas vraiment, parce que j'ai peut-être dû oublier d'enlever le truc. Oh ouais, donc on va prendre ça, ça va bien lui faire mal. Voilà. Dégâts réduits. Bim. Juste prendre un petit... Ah, nickel, ça lui a fait mal. Maintenant on va peut-être prendre potion de pépé. Puissance. Nickel. 10. Plus 10. Ok, donc ça marche. Plutôt bien. On va
Non, pas ça. Voilà, ça, ça fait bien mal. Voilà, x 4. Enfoiré. Ah ouais, tu la joues comme ça, toi. T'es comme ça, toi. Tu vas pas crever. Ah, il est mort. Pas plus en lieu. Ok, on peut se casser. Bon, on a tué le clochard, le mec qui nous parlait à la radio. Bon, enfin bref, qui nous parlait à la radio. Qui nous parlait dans les haut-parleurs. Alors, on va mettre le cristal et on peut enfin se casser. Nouveau message de Sarmarge. Alors oui, maintenant je mettrai plus la miniature en haut à droite ici, là où il y a les pp, parce que ça sert à rien de les voir. Voilà. Et j'ai un moyen de faire une vidéo de lapin qui joue avec un chat, mais ça ne marche pas trop. C'est trop mignon, tu devrais là, plutôt, la regarde plus tard. Ok. What? Ah oui, bah oui. C'est normal, bien sûr. Voilà. Bah voilà. Je pense que lui aussi, c'est un marche, il a fait. Donc je pense. On peut enfin se casser, j'en ai marre d'avoir resté ici dans les trucs d'alien, voilà quoi. Oh. Pas très sympa tout ça. Alors je sais pas quand ça va être bon. Ok, matrice de défense. Défense améliorée. Merde. Ah ouais, vous la jouez comme ça. Ah ouais. Matrice de défense, ouais, ça on va l'enlever. Là, je sens que je vais crever. Non, on va essayer de pas crever. Est-ce que... Oh, potion de santé. Ah, j'ai que des potions de santé petites. Ah, ça va pas le faire, ça. Non, en fait, ça va. Petit coup dans l'eau, ça sera fait. Voilà, comme ça c'est pété. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, l'enculé. Oh l'enfoiré. Ouais, pour l'instant je peux pas là. Désolé, mais je vais crever si tu m'attaques encore, donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, ça va pas le faire du tout. Oh putain. Ouais si, ça va le faire. Oh putain. Comment tu veux éviter ça? C'est impossible. On va essayer ça, tiens. Ah oui, ça lui fait bien mal quand même. Alors potion de santé petite encore. Parce qu'on a que ça, hein. On peut faire que ça. Bim. Attaque réduite. Oulala. C'est assez hard. Si on a encore 7, bon ça va. Ça va, mais faut pas trop en abuser quoi. Bim. Ah ouais, c'est bon, c'est... Je suis chaud là. Les amis, je suis chaud. Donc on va prendre une petite santé. Bim. Petite béquille sur lui. Comme ça il va bien kiffer. Bim. Attaque réduite. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur là. Assez hard hein, là franchement. Je veux pas dire mais bon. Voilà quoi. Alors Becky, là tu vas le sentir passer. Bim. Il est mort lui. Ah non, pas ça, s'il te plaît.
Oh l'enfoiré. Je suis en flamme maintenant. Cette potion de santé, s'il te plaît. Hop. Ah merde. Ah ça va pas le faire. Bim. Juste ça. Juste encore une autre. On va user plein de trucs, mais enfin bon. C'est pour le bien de la communauté, donc voilà. Bim. Là, mon gars. Oh non, pas encore. Yes. Juste à prendre, juste prendre un peu de trucs comme on a potion de mana, restaure vos pp. Ok, on va prendre des pp. Hop là, voilà. Ça, ça va être sympa. Tu vas prendre des coups dans le dos. Tu vas bien kiffer. Bim. T'as qu'à améliorer. Oh l'enfoiré. De toute façon il va crever là, il va crever, je le sens. Vas-y potion de santé, il faut pas se foirer ici. Nullement. D'ailleurs, je remets un peu le chrono quand même. Là il va crever là, c'est obligé. Prends ça, salopard. Punaise. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Oh, une visiteur. Visiteuse, pardon. Serveuse. Enfin, une hôtesse, pardon. Ah, pas mal l'effet 3D. 3D, 2D. Franchement, pas mal. Oh, sur ce Spark, le magasin, tiens. Oh là 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 là. C'est pété de partout, belle. Caca. Il y en a partout. Alors je sais pas où on va en être. Alors, gouvernement. Grand méchant gouvernement. Ah, d'accord. On a un autre crash ovni. Un autre? D'accord. Ok. Bon bah, on recommence, tiens. C'est nouveau ça. Ah. Ok, on est parti. Niveau 6 déverrouillé. Kidnapping. Alors, je vais faire une petite pause. Non, je peux en faire de pause, tiens. Arme. Qu'est-ce qu'on a comme arme? Oula. Sonde alien. Tiens, pourquoi pas. Équipement. On va prendre un équipement plutôt pas mal. Prendre ça, ça va être marrant. Style, bon, pas de style, ceinture d'armes. Level 5, tiens, hop. Patch pour costume. Level 4. Bazar, bon bazar, y'a rien, enfin bref. On équipe tout ça, inventaire. Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah mais attends, qu'est-ce que je faisais là? Ah ouais, attends. Merde, je faisais le con là. Je vais juste m'équiper un peu. Équiper baisse. Pistolet laser. Merde, putain. Plus n'importe quoi. Casque d'alien, tiens, bon le casque d'alien. Oh pas mal, la DBZ on a. C'est stylé. Costume, oh tiens. Gant d'alien, ça c'est sympa. Ok bon, pas mal. Nouveau message de Stan Marsh. Eh nouveau, merci d'avoir joué avec nous hier, c'était super sympa, j'espère qu'on va montrer ça aujourd'hui. Ok, merci d'avoir encore... J'ai trop oublié. Aime ça. Ok, bon, on se casse d'ici avec notre petit style de machin. Alors, on va faire la nouvelle quête, tiens. On va sortir dehors. Oh, mais ils sont pas là. Oh, c'est pas grave, on se casse. Oh my god. They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look.
and that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. T'en as en culotte. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. Okay. You don't understand. The elves. They took the stick. Ils ont encore volé le bâton. Because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids. On va trouver les gothiques et remettre. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Ok, salaud tricheur, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, ça fait un épisode assez court, je crois. Ouais. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Pour le 8e épisode de South Park. En espérant qu'il vous aura plu. Il sera très court. Parce que beaucoup de combats dans les aliens. Et on va donner ça la quête pour plus tard. Pour les gothiques, j'espère que c'est pas trop court. Parce que voilà, j'ai un peu chaud. Bon, voilà. C'était tout pour ce 8e épisode. En espérant qu'il vous aura plu. Mettez un petit like si ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, le 9e épisode de South Park, le bâton de la vérité. Donc dans le prochain épisode, on mettra, enfin on donnera la lettre aux gothiques et ils vont nous rejoindre dans notre quête. Voilà, c'était tout pour cet épisode, je vous dis à très bientôt. Bye.